Aujourd'hui, on a du lourd, on a fait Power Concept. Il m'accueille pour faire une petite vidéo. À gauche, on voit l'ordinateur. Ouais. Avec des courbes, donc je sais pas trop. Ouais, ce qui va se passer, c'est qu'on va la passer au banc. Moi, j'ai jamais vu ça, donc je découvre en même temps que vous. Le principe du banc de puissance, évidemment, c'est de mesurer les performances réelles d'un véhicule, origine, et ensuite modifier. Donc ici, dans ce cadre-ci, on reprogramme le véhicule pour améliorer les performances. Il y en a déjà pas mal, mais ce sera encore nettement mieux juste après. Ouais. Voilà, donc on va lancer le test. Ça va commencer. Ça m'a plu. C'est impressionnant, hein? Oui. Et là, on roule jusque pratiquement 280 km/h. C'est le bruit des pneus, des rouleaux, l'échappement, le moteur. Ouais. Bah, évidemment, ça dépend du type de voiture qu'on passe sur le banc. Mais parfois, il y a des gros 4x4 style des classes G, AMG, avec des gros pneus. Et la texture du pneu fait que le bruit augmente également très fort. Donc tout dépend du type de véhicule qu'on va passer sur le banc. Et vous faites passer tout type de véhicule alors? Tout type de véhicule, d'une Citroën C1 à une AMG, ou même on a fait déjà des Bentley Continental GTS. Okay. Ce sont des gros véhicules avec des W12, donc vraiment très performants. Je vois ce que c'est. Comment? Je vois ce que c'est. Ah oui, ok, ben oui, c'est... c'est évidemment très impressionnant de passer des voitures pareilles, mais c'est très stable aussi. Hein. Et vu le bruit, ça explique l'insonorisation. La déco. Bon, c'est vrai que ça fait une belle déco, mais comme on travaille énormément et que les bureaux sont pas loin, ça nécessite vraiment une insonorisation assez forte pour pouvoir pas devenir dingue en fin de journée. Quoi. Et comment vous faites alors pour reprogrammer ces voitures-là? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est qu'on va modifier le programme constructeur dans l'ordinateur d'origine. Donc vous avez une centrale qui est l'unité moteur, ouais, qui ne gère que le moteur. Donc il y a dans ce genre de
moteur afin d'améliorer le rendement du moteur. Okay. Et donc on augmente comme ça les performances. Okay. Et ça vous prend combien de temps? Alors ça dépend du type de véhicule. Si c'est un véhicule qu'on a déjà développé auparavant, ça va prendre plus ou moins 3 heures. Okay. Donc le temps de mettre le véhicule sur le banc, d'extraire les données, de retravailler les données. Donc ça peut varier de 3 à 4 heures pour un véhicule déjà connu. Et alors, si c'est un tout nouveau véhicule qui vient de sortir, ça peut prendre 1, 2, 3 jours, dépendant de la complexité du programme constructeur. Donc, il y a aussi qu'il faut accéder aux données avec des outils spécifiques. Et donc, évidemment, c'est un long développement parce qu'il faut d'abord mettre au point les protocoles de communication qui nous permettent de rentrer en communication avec le véhicule. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on va extraire les données, on va commencer à les étudier et on va effectuer la modification sur mesure. Donc, ce n'est pas un programme qu'on achète tout fait sur Internet. Ouais. C'est souvent le gros problème, c'est que bon, maintenant, Power Concept, c'est une entreprise qui existe depuis 55 ans de père en fils. On a toujours été du métier de l'automobile et malheureusement, actuellement, il existe pas mal de préparateurs ou de tuners qui n'ont pas de bande puissance, qui font un raising sur les prix complètement absurde. Et alors, évidemment, les clients se demandent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui fait un programme à X euros et lui, c'est beaucoup plus cher? Ben parce que de un, on est expérimenté, de deux, on a un équipement haut de gamme qui nous permet de faire un travail correct et calibré sur mesure. Donc chez nous, tous les programmes sont étudiés en interne et calibrés en interne sur mesure. D'où le temps que ça peut mettre, dépendant du type de véhicule sur lequel on travaille. Super. Voilà. Et la voiture là, combien de chevaux alors? Alors, d'origine, si vous voulez, je peux vous laisser passer jusqu'à l'ordinateur, comme ça je vous fais une démo. Au revoir. On a un rapport qu'on va remettre à Martin après, comme ça il aura le rapport pour lui. Donc en bleu, on représente les courbes d'origine et en rouge, les courbes modifiées. Pardon. Et donc ici, d'origine, le véhicule sortait 580 chevaux et 732 newtons. Si je vérifie sur notre base de données, on va vérifier immédiatement. Voilà. Donc on va prendre dans notre base de données sur notre site internet le type de véhicule. Donc c'est une AMG GTR. Donc d'origine, le véhicule sort 585 chevaux et 700 newtons. Donc ça c'est la puissance et le couple de série. Donc on va vérifier et comparer les données avec le banc de puissance. Donc elle sort 580 chevaux et 732 newtons. Donc au niveau de la puissance, ben, on est à 5 chevaux près, on y est. Ouais. Et au niveau du couple, on a dépassé déjà le couple, dans ce cas-ci, de 32 newtons. Ah ouais. Donc le véhicule développe un petit peu plus que ce que le constructeur a annoncé. Okay. C'est toujours bon, c'est toujours ça depuis. Et donc voilà, maintenant en stage 1, on sort 667 chevaux et 863 newton-mètres de couple. Ouais. Donc si on vérifie avec les données annoncées sur notre site internet, on a 3 chevaux de plus qu'on annonce et qu'annoncé sur notre site, pardon, et 850 newtons. Et donc nous, on sort ici 863, donc on a 13 newtons de plus qu'annoncé par notre site internet. Donc en général, on essaye d'avoir des valeurs correctes. En général, on met des valeurs réelles, donc vraiment ce qu'on a obtenu. Et parfois, on a des différences énormes entre certains sites internet. Et là, les clients nous disent, tiens, c'est bizarre, pourquoi votre concurrent annonce 20 chevaux de plus? Ouais. Mais nous, on essaye de représenter sur notre site les valeurs réelles qui sont lues par le véhicule. Ah, oui. Et pas des valeurs farfelues qui sortent de nulle part. Donc, ce qu'on annonce en général, c'est ce que va sortir notre travail après calibration. Okay. Thank you.
les roues aussi. Sur la saison. Tu peux commenter. On peut le faire, et ce qui est bien, c'est que sur un moteur diesel, évidemment, là, on a encore des réductions de consommation beaucoup plus importantes. Ah, oui. Parce que sur un diesel, bon, un moteur essence, à la base, il n'a pas vraiment été taillé pour la console diesel. Là, le fait d'augmenter le couple, on a vraiment une réduction de consommation. On parle quand même d'une réduction de 5%. Ah oui, oui, d'accord. Donc, ça pèse aussi au niveau, au niveau de la balance, du budget, ouais, du carburant. On fait ça pour les camions aussi, on est spécialisé dans les camions. Okay. Donc tout véhicule utilitaire et poids lourd. Et principalement on travaille les cartographies éco pour réduire la consommation.